Bonjour à tous les amis, c'est le Toulon, j'espère que vous êtes un super fan pour ça, super. Mes copains, nouvelle série, on fera un épisode ou deux par semaine, tout simplement, ça va être de faire le record de France de win streak. On démarre de zéro, tous ensemble, le record de France actuellement, il est détenu par Titi, joueur qu'on a fait une vidéo sur lui, il est à 670 pour l'instant. On a du retard les gars, mais croyez-moi, je suis quand même un joueur qui a farmé les 10 maîtrises en l'espace de 2 mois à l'époque où les maîtrises sont sorties. Je pense qu'on est capable de tryhard et de faire plusieurs épisodes, alors voilà, je vais pas en faire tous les jours non plus les gars, j'ai des brawlers, pourquoi j'ai sélectionné ce compte les gars, pour l'historique ce compte, je l'avais créé pour faire des battles de pack opening à la base, et derrière j'ai fait une vidéo avec Marquinhos et avec David K, je sais pas si vous vous souvenez, ça commence à avoir bien 2-3 ans, et j'ai pas mal de brawlers bas, il y a pas mal de brawlers qu'on va débloquer dans l'aventure aussi les gars, donc ça peut être stylé de se faire des épisodes, bien évidemment, en premier épisode, on va jouer les brawlers haut, parce que, ben voilà, si on commence à jouer des brawlers 0, ça va pas plaire les gars, donc on va se concentrer un petit peu, on s'est rename. Voilà, Gaël Winstreak, les gars, le compte est prêt. On a des récompenses à récupérer. Alors, bien sûr que si on peut débloquer des brawlers, les copains, on va pas se mentir. Voilà, je prends, parce que plus on a de brawlers, plus on a de chances de débloquer, d'exploser le record. Là, on prend les petits points de pouvoir, le petit star drop du bas, mon petit, un épique. Ok, du gold, on s'en fout. On prend tout, bien évidemment, si la série commence à prendre, si ça vous plaît. On essaiera d'acheter le Brawl Pass et tout, mais là, pour l'instant, premier épisode, pas besoin de s'enflammer. On va essayer de faire aucun fail dans cet épisode, les gars, en jouant les brawlers les plus hauts, parce que si je prenais des brawlers de 0 à 100 trophées, moins de 100 trophées, bien sûr que face à des bots, on ferait les costauds, mais c'est le but est de faire les hommes, les gars, ok? Le but est de faire les hommes. Là, pour l'instant, la Shelly, on l'a bien touchée. Je vais essayer de récupérer cette caisse. Alors elle, si elle veut jouer avec moi, par contre, je suis pas certain qu'elle vive longtemps, mais ça me fait mes affaires. On est 10 encore. Alors, il faut que je mette un stun, les gars. Sauf que j'ai la visée qui est pas encore réglée, là. C'est la première game de la vidéo. En tout cas, le concept me trottait depuis un petit moment. Ça va prendre du temps, c'est pas faux. Mais en même temps, on a déjà relevé d'autres défis. Ouais, ce corps à corps et tout. Ok, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, Jesse, viens voir tonton. Viens voir tonton, mon petit. Alors, attends. Ok. Tranquillou, les gars, tranquille. Alors, faut qu'on top 4. Hein. Je m'en fous total du top. Hein. Me dites pas pourquoi tu vas te suicider dans le poison. Les gars, on est revenu en mode maîtrise, là. Là, le reste, je m'en fous. Dès qu'il y en a un qui meurt, attends. On va quand même essayer de faire le beau jeu parce qu'on est quand même là pour le spectacle. Ou qu'on est top 4. Ah, j'ai quand même envie de les défoncer, non? On va se suicider ou vous voulez qu'on essaie de les arracher? Attends, normalement je serais allé me suicider, mais vu que c'est la première game de la vidéo, on va dire que si on pouvait caler un premier top 1, ça pourrait peut-être porter bonheur. Alors j'ai cru voir un chat. Attends, il y a un chat, il y a un chat. Oh non. Je pense que j'ai bombardé le dynamite, mais je pense que je vais mourir. Il y a un chat, les gars, quand il y a un chat, tu sais que tu te bats pour le top, je sais pas quoi. Alors attends, on va quand même essayer de le fight, le chat, face à un dynamite. Je pense que dès qu'il a l'ulti, il a un espèce d'avantage incroyable. Ok. Attends. Est-ce qu'on peut lui mettre une grosse bombe, là? Ah. Les gars. Il y a un monde où... Faut pas qu'il chope d'ulti, en fait. Faut plus qu'il chope d'ulti. Ou qu'il ait fail ses ultis. Qu'un coup... Ah, j'ai essayé de le pré-shot en espérant qu'il remonte, putain. Non, mais ça rend fou, putain, mais les gars, bon, c'est pas grave, vas-y, GG. Ok, on a loupé, j'avais anticipé qu'il remonte côté gauche, non, détends-toi, tonton, il est jamais remonté, le petit. Les gars, la game sur Dynamite, elle est faite, on va se faire un petit tour d'horizon pour l'instant, voir un peu ce que ça donne. On est au tout début, alors j'aurais pu prendre de l'avance et tout, mais je sais pas si commencer une série avec déjà 100 win streak, ça aurait été bien ou pas bien, je pense que la commencer ensemble, c'est plutôt stylé. On est parti pour un épisode peut-être un peu ouais, d'une vingtaine de minutes, tranquillou, mais c'est le but de pas fail. Il y a un chat, putain, le chat, les gars, crois-moi que, voilà, la meilleure chose que je puisse faire, c'est de partir quand je vois un chat. Le start à 0 caisse, c'est quand même compliqué, les gars. C'est quand même compliqué. On va éviter de prendre trop le mid. Le chat qui peut potentiellement redescendre là du haut de la map, on va essayer de le respecter un petit peu. Parce que là, pour le coup, on n'a pas le droit de perdre, les gars. Je vais pas vous mentir, vous avez bien compris le concept. Là, si jamais je perds, il n'y a pas de rattrapage. Faut pas qu'il chope du chi, lui. Hein. Il faut pas qu'il chope du... Bon. Tonton Gaël qui fait le fou. Tonton Gaël qui fait le fou. Alors, attends, il n'est pas super bien, lui. Vas-y, c'est un compte, faut qu'on prenne le top 4, les copains, vas-y, t'es quoi. Par contre, là, je commence à jouer l'efficacité, les gars, m'en voulez pas. Voilà, le logo, il est là, les gars, le logo Wi-Fi qui fait sa dédicace, salut.
Salut mon petit, alors on va s'enchaîner les games en top 4, hein, on va continuer comme ça. Du coup on bascule en win streak de 1, c'est ça les gars normalement. Elle va. Non, 2, pardon, excusez-moi. On va tenter la Shelly, on va faire comme ça, on va essayer de faire un top 1 pour l'instant ou un top 4 plutôt, avec les 7-8 brawlers que j'ai le plus haut, en espérant de ne pas fail, parce que si on fail dès le premier épisode, les gars, c'est qu'on est des sacrés calamars. Voilà. Vous connaissiez pas l'expression, c'est comme ça les gars. C'est comme ça, c'est une expression de bof. Alors attends, lui il me laisse la caisse, merci frérot. J'ai pas tellement envie de fight. Ah, j'ai pas le bon gadget pour le coup sur la Shelly. Alors les gars, c'est un compte qui est plutôt bien monté en vrai. Qu'est-ce qu'il a lui à s'enflammer comme ça? Détends-toi frérot. Qu'est-ce qu'il veut lui? Pourquoi il veut absolument me fight? Qu'est-ce que j'ai fait qui lui plaît pas à lui? Va prendre ta caisse, t'inquiète pas, va prendre ta caisse, on va juste te tirer dessus. Oh là là, il y a un chat. Autant pour moi les gars, je vous présente mes excuses. Le chat, il l'a pas encore tué. Alors les gars, vous savez quoi? On va faire du camping par là, peut-être plus par là, non? Voilà, il y a peut-être un mec dessous. Je pense que s'il y avait un mec dessous, il m'aurait peut-être tiré dessus. En vrai, on est pas mal. On va pas faire forcément le beau jeu là. Oh, putain, le beau, il a tué le chat, les gars. Il est trop fort. Ruzu, t'es un goth, mec. T'es trop fort. On te met une émote pour te dire que t'es le boss. Ok, top 5. Dès qu'on peut top 4, on va aller mourir, les copains. Ok, tranquille. Bon, c'est vrai. Franchement, les gars, c'est vraiment facile pour l'instant. Même si je sais très bien, les gars, que c'est la game, on va pas s'y attendre. Lui, il se demande pourquoi je vais me suicider dans le poison. Le mec se demande ce que c'est quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ok, pour l'instant, on est sur 3 victoires d'affilée. On récupère pour l'instant quelques petites récompenses légères. Qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne? On a un petit Gaël, vas-y, Gaël, j'aime bien. On va plutôt prendre la tornade. Putain, mais j'ai un compte qui est carrément bien monté. Le problème, c'est qu'il y a des mauvais gadgets mis à tous les brawlers, c'est n'importe quoi. Faudra qu'on vérifie un petit peu. En tout cas, les gars, vous pensez qu'on peut faire combien, sincèrement? Parce que je suis tête en l'air, les gars. Vous le savez très bien, ceux qui suivent ma chaîne, je suis tête en l'air de dingue. Et je sais très bien que si je le farme, comme je farme les maîtrises devant la télé et tout, il y a un moment donné, je vais fail un brawler à 20 trophées et je vais fail la win streak. Donc, je pense que je partirai en brawl ball. Là, on fait le premier épisode en survivant. Je pense que le prochain, on le fera en brawl ball avec des mates pendant 20-30 minutes pour essayer de faire une grosse session. Ça défilera beaucoup plus vite. Voilà, c'était plus pour vous présenter le concept, présenter le compte. Je l'ai rename juste avant, les copains, donc on est plutôt pas mal. Alors attends, il y a une Shelly côté gauche. Je pense qu'on peut chatouiller un petit peu. Oula, oula, reste tranquille, va pas me gâcher la vidéo. Il y a un petit griffounet là comme ça. On va essayer de pas se faire prendre en sandwich là, ce serait cool. Tac tac. Je pense que je suis plus qu'un coup l'ulti. L'ulti qui pourrait être précieux, les copains. Ok, on est vraiment plus très loin. Ouais, tranquille, tranquille. Bon, on va faire quand même gaffe. Griff, on va éviter le corps à corps, ça peut faire assez mal. On est top 6 pour l'instant, les gars. On va essayer de viser le top 4. Ouais, c'est bon, tranquille. Franchement, les gars, ça va assez vite là pour l'instant. On est vraiment pas mal. Donc, c'est une série. Je sais que Juju m'a dit t'es gaga, t'es fou de faire ça, ça va te prendre des jours et des jours. Mais je sais pas, ça me tracasse. Quand il y a un nouveau truc qui sort, en général, j'aime bien un peu le tester sur la chaîne. Alors, le Gaël est validé. On est en win streak de 4. Elle est P8. Elle a pas de gadget, la pauvre, elle. Pourquoi elle a pas de gadget? Qu'est-ce qui se passe? Attends, on peut pas lui mettre un gadget? Une onde de choc, c'est bien, ça. Parce que pour le coup, on a du gold, on a pas mal de trucs. Et ouais, je pense que si ça prend, les gars, pour fêter les 100 win streak, on achètera le Brawl Pass. Parce que si ça peut faire, ça peut permettre de débloquer 2-3 brawlers, bah peut-être que ça va faire la diff en fait. Parce que 2-3 brawlers qu'on va monter au moins 200-300 trophées, potentiellement ça peut gratter une centaine de win streak, voire peut-être même plus. Donc voilà, voilà l'idée du jour les gars. J'attends vraiment votre avis en commentaire. Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a la patience surtout? C'est pas vraiment le niveau, hein, je le répète. C'est plus est-ce qu'on a la patience de péter ce record là? Alors attends, là j'ai envie de... Ok, on tue la... Il y a un lion par là-haut, non? Il y a un lion... Ok, la Shelly a pris assez cher, attention, on va pas commencer à... je sens que les mecs ils veulent ramasser les miettes. Là pour le coup, cette game elle me plaît beaucoup moins déjà. Il y a un lion à ma droite... Et ouais, il a des gadgets et tout, on va se casser de cet endroit. On va se casser de cet endroit, les copains. Je l'aime pas de ouf. Il y a un Dynamax au-dessus. Oula, niveau brawler piégeux, je pense que le Dynamax, c'est plutôt pas mal. Je me sentirais franchement plus serein en brawl ball, les gars. Je vais pas vous mentir, là. Là, il peut se passer une dinguerie. Il peut se passer vraiment une dinguerie, là.
Ouais, attention Dina les frères, attention Dina Mike. Alors pour le coup Dina il fait le malin, mais ouais ça peut mourir facile aussi. On est top 4, vas-y c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tata win, on va juste on va pas non plus te filer les caisses frérot, on va aller mourir bien loin histoire de te montrer que tu nous as bien saoulé. En tout cas la game sur GSI elle est validée les copains pour l'instant. Tout se passe à merveille, on est pas mal, on va... Ouais on a des quêtes aussi les copains qu'on peut s'ouvrir là en vrai, hein. On a du crédit, le Grom qui va tomber. Alors le Grom sur cette série là, est-ce que le Grom c'est OP les lanceurs? Faudra pas que je lance en solo par contre, parce que lanceur en solo les gars, le moindre Edgar, Léon, truc comme ça qui vient me fight, je pense qu'on aura juste nos yeux pour pleurer. Pour l'instant on a 5 en même temps, c'est le début, une petite Rosa. On va peut-être pas commencer à acheter les gadgets en vrai les gars, je pense qu'il y aura des brawlers sur lesquels ce sera plus important d'acheter des trucs. En tout cas c'est le début, c'est le commencement du commencement les copains. On va avoir du taf, on va avoir, je sais bien qu'on va avoir du boulot les gars, ça va pas se faire en un jour, mais je vais le tryhard en off hein, les gars, je pense que tous les 50 on va essayer de se faire un épisode en vrai, ça va être ça ma mission. On va essayer de se faire un épisode tous les 50, oulala, lui attends, reste tranquille toi, farm ta caisse tranquille, on te la laisse, waouh le jeu il est, voilà, j'ai le logo wifi qui est pas loin, voilà, je me fais voler la caisse ou pas, non ça va, lui il a auto-aim, ça a tiré sur la caisse, il y a un Cordelus au mid, ok. J'ai envie de le fight en vrai, mais il n'y a pas d'intérêt, on est d'accord, il n'y a pas d'intérêt, ok. Je vous posais juste la question, les gars, pour avoir votre réponse. Est-ce qu'il y a un intérêt à mettre des buissons par là? Ok, on va essayer de se faire un petit... Alors forcément, je pose des buissons, le mec incognito, quoi. Je pose des buissons jaunes sur une map où il y a des buissons verts. Le truc qui n'a aucun intérêt, je crois qu'il y a des mecs là-haut. Attends, je crois qu'il y a un mec en haut à droite, on va juste essayer de se poser un dernier buisson par là. Comme ça, voilà. Là, on va dire que c'est à peu près ma zone. Il y a un buzz à droite, attention. Buzz pour le coup. Ouais, attends, buzz, 5, 4 caisses. La buzz en vrai, de vrai, les gars. Est-ce qu'il va me fight? Est-ce qu'il va me fight? On va essayer de tempo par là. Ouais, je promets pas le beau jeu à toutes les games, les gars. Je pense qu'on va quand même jouer l'efficacité. Pour l'instant, on est en top 4. Vas-y, on va mourir, mon petit. On va continuer comme ça. J'ai pris des brawlers les plus hauts, les copains. Enfin, les plus hauts, ils sont pas très hauts non plus. On va basculer en win streak supplémentaire. Putain, je m'en veux tellement de pas m'être connecté sur ce compte-là pendant les fêtes de Noël. J'aurais pu récupérer Nico gratos. On a un petit Colt qu'on va directement tester. Pour l'instant, on est en quoi 6. Pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, on n'a pas encore failli, les gars. Le petit tour d'horizon des brawlers, pour l'instant, se passe bien. Mais je rappelle que tout peut se passer. Tout est possible, tout est réalisable, les gars. Le Colt, brawler que je gère le moins, même si tout le monde, à chaque fois que je joue avec un mec, il me dit « Oh, ça va, tonton, et tout, ça se passe bien, en fait. » Mais je vous jure que non. En fait, c'est quand je stresse, j'auto-aim. Et style auto-aim avec Colt, c'est la pire idée au monde. Ok. Ok, lui, il va prendre sa défaite. Il y a un boule, c'est ça? Ok. Ok, je pense qu'il bouge pas, là? D'accord, ok. En fait, je suis tenté, moi, d'anticiper les trajectoires. On dirait que c'est une game de bot, les gars. Je comprends pas trop comment c'est possible que ce soit une game de bot à 300, je sais pas combien de trophées. Je comprends pas trop, mais bon, écoute. Ouais, c'est pas vraiment des bots quand des skins comme ça, en général. On va tempo un petit peu, j'ai pas beaucoup de points de santé. Ok, top 4, vas-y, c'est bon. Nickel, on va mourir, les gars. Le petit Gale Win Streak, les gars. Celui-là, il vous pendonnait, hein. Il vous pendonnait. J'en avais pas parlé en vidéo, mais j'en ai parlé à peu près à tous les mecs avec qui je jouais. En ce moment, et du coup, voilà, elles sont pas... Je les ai mis dans la confidence, les frérots. Est-ce qu'on peut pas débloquer un truc, là, peut-être, non? Ce serait cool. Les gars, il y a un petit Star Drop par là. On va essayer de se l'ouvrir. Alors, bien évidemment, je garderai les récompenses pour les vidéos, les gars. En off, j'ouvrirai rien. Ouais, dans le Brawl Pass, on verra ça quand même plus tard. Parce que si c'est pour fail rapidement, en vrai, putain, 1000 points de pouvoir, c'est vraiment value. Les copains, vous savez quoi? On va stopper l'épisode numéro 1 sur la question du jour. C'est est-ce qu'on a le droit de s'acheter le Brawl Pass sur le prochain épisode? Est-ce qu'on prend le Brawl Pass normal ou le Brawl Pass Plus? En tout cas, moi, je pense qu'on pourrait, pour se donner le maximum de chance, s'offrir un petit Brawl Pass avec le code Gaël. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cette série. Est-ce que vous pensez qu'on va battre le record? Ou est-ce que vous pensez que je suis beaucoup trop tête en l'air pour ça? Je vous fais des gros bisous à tous. Et normalement, le premier épisode en passera soit les 50 win streaks, soit les 100. Ça va dépendre un petit peu du tryhard et tout. Je vous fais des gros bisous à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.